Allez, prends en photo. Ici, nous avons donc une photographie de Stéphanie Garin, superbe couleur, et puis bon, vraiment mise en valeur du sujet. Ici, donc, Francis Preuze de Saint-Évardac nous montre des images d'Afrique, intitulées Terre brûlée. Alors ici, vous avez une série de photographies intitulée Ombre et lumière de Jean-Pierre Le Floch de Plomelin. Alors ici, vous avez le travail de l'école Léonard de Vinci qui nous montre toute une série de portraits. Alors ici, vous avez l'école Saint-Louis de Saint-Évardac qui vous présente des images du spectacle de cirque. Très belle exposition, un petit peu comme tous les ans. À chaque fois, on trouve des thèmes différents et originaux avec la patte de chacun. J'ai trouvé très riche. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Certains disent qu'il y a du potentiel. Ben, c'est vrai qu'il y a du potentiel. Bon, ben, merci à tous pour votre présence. Évidemment, la gagnante prix de Saint-Évardac. Bon, c'est la photo de... Stéphanie de Monaco. Voilà, avec tous mes compliments. Encore merci à tous ceux qui participent comme ça à l'animation de la commune et qui font justement de Saint-Évardac une commune vivante et dynamique.